Bonsoir à tous, on se retrouve pour un petit live rapide sur l'Orcana. J'ai vu un nouveau deck et du coup je l'ai créé. Ça va être un deck rouge-vert. Et du coup j'avais envie de le tester avec vous. Donc on va se mettre sur l'Orcana. Je vais vite fait allumer mon téléphone. Ah, je me rends compte que j'ai un message. Et du coup, hop, alors je vais juste répondre à un petit message avant de, parce que j'avais pas vu mon téléphone. Hop, et après on va pouvoir commencer. Tac. Ok, bon, du coup, alors je vais remettre le live, voilà. Je vais couper le son, voilà. Et on va y aller, on va se faire un petit deck. Donc il est là, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va trouver des gens pour qui jouer. Ok. Comme d'habitude, rouge violet en face. C'est pas grave. On est là pour s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Toi non. Toi non, toi non. J'en ai besoin qu'une seule. Allez. Ok, j'ai pas de tour 1. C'est bien dommage. Je sais pas, rien jouer. Ah, tout le monde m'écrit là. À moi. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On va jeter ça. Et on va jouer un petit flip. Hop. Ah, attendez. J'arrive. Donc c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? Ouais, vraiment là, niveau carte, c'est pas terrible. Donc, tant pis. Voilà. Là, il me faut vraiment des choses à jeter parce que c'est pas terrible et c'est pas terrible. Alors, je vais regarder ce que ça fait cette carte-là parce que d'habitude, j'utilise pas trop. Et du coup, je ne sais pas à quoi elle sert. Choisissez et renvoyez un personnage en jeu dans la main. De son propriétaire. Ok, et ça coûte 2, je crois. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça tue mon. Ok. C'est pas grave. C'est à moi. Alors, ça coûte 3. Ah, mais le problème, bah écoutez. Voilà, hein. La prochaine fois, peut-être que je renverrai un perso. Ah oui, ça coûte 3. Je renverrai peut-être un perso dans la main de l'adversaire. Attendez, je mange un petit peu en même temps parce que. Ok. Alors, toi tu vas dégager. Et du coup, toi tu l'auras un, toi tu l'auras un, toi tu l'auras un. Toi tu mets 3 dégâts. Toi t'as 3 points de vie. Chaque fois que l'un de vos personnages est défié, ça gagne plus 1. Éclat de l'or. Ok, bon, de toute façon. On va jouer ça. Hop.
Non, je veux pas que ce soit chanté. Hop là. Et ça. Et ça. C'est pas grave. Tu défausses ton perso, donc. Non, on l'a pas beaucoup vu ce deck, c'est un peu original, je trouve. Ok. Alors là, la question qu'on se pose. Ouais, non, on va pas se poser cette question. Est-ce que j'ai reçu d'autres messages? Oh, mais il y a du monde là! Ça me vole d'élan en plus, ça! Non, c'est pas grave. Non, y a pas de soucis. Bah écoute, j'ai vu tes messages. J'espère que ça va. Là, on joue un nouveau deck. Vert-rouge. Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais. Peut-être que j'aurais dû attaquer. Bon, je sais pas. Bah, j'espère que tu vas bien. Oh là là. Moi je fais quoi? 2, 4 et lui il fait 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, on va faire ça. Bien sûr. Tac. Ensuite, on va tuer des petits balais, je pense. Ou Aladdin. On va tuer Aladdin. Ouais. C'est pas commun, effectivement. Oh, c'est pas gentil de faire ça, là, madame. C'est pas commun, mais tout à l'heure sur la chaîne YouTube que je t'avais indiquée, il y a un des deux youtubeurs qui a joué ce deck et j'ai trouvé plutôt sympa. Donc j'ai voulu le refaire le même pour tester. Oh 3 et 4. Oh, tout le monde est insaisissable de toute façon. Toi tu mets combien de dégâts? 3. Toi tu mets 2 dégâts. Et toi tu mets 2 dégâts. Dégage. Tac. 14. Ouais mais il met 4 en face. J'ai plus rien pour supprimer les cartes. Bon. Oui mais oui. Tout le monde est déjà insaisissable donc. Il manquait un pour mettre les deux. C'est pas grave. L'avantage là, c'est qu'il va être obligé de m'attaquer parce que j'ai fait 2, 4, 6 et je tombe à 20. Donc là, il va être obligé de m'attaquer. Et du coup. Punaise. Il y a trop de monde quoi. Ok.
Non? Tu m'attaques pas? Bah j'ai gagné. Ok. Yes! On a gagné. On a gagné, c'est cool. Bah ouais, voilà. Bon, on va faire une deuxième petite partie là. Hop. Très bien. Merci. T'es dans les transports là ou t'es rentré chez toi? Non, ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas, j'en veux pas. Je vais en prendre qu'une sur les deux. Ah, ok. Bah oui, il est un peu tard aussi, mais bon. Bon, c'est pas terrible parce qu'on a encore en main, on n'a rien à 1. On n'a rien, pas de chance. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, c'est moi qui commence en plus. Qu'est-ce que je sacrifie là? Petite clochette pour l'instant. Allez. Ce deck, j'ai du mal à le commencer à chaque fois. On n'a rien à 1. Alors qu'on a. Alors, si je vais revoir la decklist, on a. On a 6 cartes à 1. Ouais, 6 cartes sur 60 et que 10%, ouais. Ouais. Ça fait pas beaucoup de cartes à 1, donc c'est normal qu'on commence pas forcément très bien le jeu. Ok, j'arrive, j'arrive. Ah bah, c'est maintenant que t'arrives, toi. Ah, c'est trop tard. Tac! De cartes pas ancrables, c'est un truc catastrophique. Bon, tant pis, je sais pas ce qu'il fait en face, mais il commence pas rapidement. Ok, bon. J'ai rien à perdre à faire ça, je pense. Peut-être que si. Pas grave. J'aurais dû lire la carte avant. Je vais lui refaire le même coup. De toute façon, là, il va piocher, mais... Ah non, parce que si je lui renvoie son lapin, il va repiocher. Ok. On va en créer, hein. Hop là. Tac. Tac. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo, la personne qui jouait ce deck disait, bah, en gros, que c'est pas un deck qui est fait pour gagner. Enfin, par rapport aux autres decks, c'est pas forcément un deck qui est là pour gagner. Alors que lui, dans sa partie sur 4 match, il en avait gagné 3, je crois. Et là, moi, sur 2, pour l'instant, j'en ai gagné 2. Et là, on est parti pour le troisième, donc on va voir.
Ok, tu leur envoies dans la main pour piocher, blablabla, on connaît, on connaît. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a le feu de dragon. On va faire le feu de dragon. Peut-être qu'il aura mieux plus tard. Peut-être c'est un peu gâché de faire un feu du dragon avec Mini, mais c'est pas grave. Encore une fois, il faut faire attention. Là, on est sur du violet rouge. Du coup, soyez prête. Tac, tac, quoi. Vu toutes les cartes qu'il a, on va attendre avant de jouer le génie d'abord. On va y aller petit à petit. Je pense. Sauf si là, il met beaucoup de cartes. S'il met pas de cartes, je pars du principe qu'il va faire soyez prête. S'il met un certain nombre de cartes. Voilà, c'est ça, il met rien donc. Il va refaire venir Bidule. Ouais, d'accord. C'est pas grave. Bon, il fait son méli-mélo là, mais c'est pas ça qui lui fait gagner du lore, mais bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et pour l'instant, on va juste mettre ça. Et après, on peut même faire ça. Non, on va garder pour plus tard. Et voilà. Pour l'instant, s'il veut faire Soyez prête, il le fera, mais pas sur mon génie. Il va attaquer. Non? Ouais, donc il fait soyez prête. C'est sûr. Ouais. Ça va. J'anticipe les choses. Tout va bien. Ok. On est prévoyant ici. Hop. Non. Ouais, il va peut-être encore faire un soyez prête. Ok, ça me voulait un lore, ok. C'est pas grave. J'ai assez d'avance pour l'instant, je peux me permettre de faire ça et de faire ça. Est-ce que j'aurais pas dû même renvoyer le génie dans ma main? Oh, j'aurais pas pu le rejouer. Donc, c'est pas grave. Pas rien faire d'autre. Allez, tu peux rien faire d'autre là, à moi. Tic-tac, tic-tac. Je suis pas pressée. Bon, je suis un peu plus pressée. C'est pas grave. Elle peut plus rien faire. Prendre le lore, ouais. Ok, à moi.
Eh bien, écoutez, tic. Ensuite, toi et toi. Ah, je suis pas assez riche pour toi. Il va faire, soyez prête. Il va faire, soyez prête. Non, même pas. Si, peut-être après. Non, du coup, non, il va pas le faire. Oh, je suis à 19, 18. Tu vas me laisser gagner. Tu vas me laisser gagner. Il a déjà fait deux soyez. Trois, ok. Au bout d'un moment, voilà. Hein, tu pourras plus rien faire. Super, la chèvre, ok. Non, mais là, il faut pas que tu augmentes trop non plus. Hein? Punaise. Punaise. C'est pas possible. Il peut pas me laisser gagner. J'étais à 18, j'étais prête à gagner et là il me rattrape et tout, c'est terrible. Tu vas arrêter. 1, 2, 3, 4, ça fait 15. Voilà, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Me dis pas que t'as encore un soyez prêt là parce que sinon moi je pète un câble. Non mais là, voilà quoi. C'est une catastrophe. Là on a fait tout ce qu'on a pu mais quand on a les 4 soyez prêtes, alors 1, 2, 3, 4, là. Là il peut plus me faire. Là il peut plus me faire. C'est fini. Punaise, je te jure. Oh là 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 là, il remonte à 17. Oh là là, punaise. Oh, en plus, je tombe que sur un flin, quoi. Super. Bon, bah voilà, c'est fini. On a perdu. Oh, je suis dégoûtée. Franchement, c'était très très dur. Bon, c'est bon, on concile là parce que hop, il m'énerve. Oh, punaise. Bon, allez, on y retourne là. Deux victoires, une défaite. On peut pas se laisser aller comme ça. Avec les 4 soyez prêtes, ça fait longtemps qu'on aurait dû gagner et franchement, ça a été une catastrophe. Ok, bleu, jaune, c'est un peu la mode en ce moment, je crois. J'en ai besoin qu'une. Tac. Une, deux, trois. Le petit chat, il va vite disparaître, hein. Je suis un peu dégoûtée de la partie précédente, mais c'est pas grave. Allez, hop. Bonjour, je suis Mimi. Ah bah dis donc, t'as décidé de venir toi, hein? Tac. 3-4.
Troisième tour, toi. Quatrième tour, je sais pas qui. Cinquième tour, toi. 3, 3 peut-être. 3, 4. Ok, il va faire tac, tac, tac. Ok. On connaît, on connaît. Ah, Pongo. Pongo à 4. Ok. Donc, toi, tu t'en vas. Toi, tu viens. Toi, tu tapes à... que à 1. Personne qui a un point de vie ici. Donc, au tour 4, Pongo, au tour 5, Ré. C'est pas mal. Allez, allez, allez. Faut qu'on gagne ce match. On va se concentrer et faut qu'on gagne ce match. Le Flavorcham là-bas, il me plaît pas trop. Le feu du dragon, on sait contre qui ça va être. Hein. Flavorcham, tu ne vas pas survivre. Passer le tour 5. Ok, ça s'entretue, très bien. Bah écoute, mon pote, tu vas aller voir ailleurs. Et on va jouer mon petit Pongo. Toi, en soi. J'aurais pu, ouais, j'aurais pu. J'aurais pu en deux tours, j'aurais pu la tuer. Mais c'est pas grave. Toc. Faut vite que j'élimine Flavorcham. Au prochain tour, il faut que j'élimine Flavorcham. Je pense que c'est important. Je peux jeter le chat. Ouais, c'est pas très grave parce que de toute façon, la méchante reine peut pas attaquer Minnie et Pongo. Donc au pire des cas, elle fera de l'or. Ou elle attaquera la petite Minnie qui est là. C'est pas très grave. Je suis pas trop inquiète. Par contre, elle... non, faut tuer Flavorcham, je pense. C'est Flavorcham qui... va tuer de la petite Millie, mais ouais, ou peu importe, c'est un des deux, ça revenait au même de toute façon. Ok. À moi. Eh bien, le petit chat, il va me permettre de tuer Flash. Bam! Prends ça dans les dents. Tac. Tac. Là, logiquement, ça met 4 aussi, comme moi. Pour ça, on est égalité. Sauf que moi, après, je mettrai. Est-ce que j'aurais pas dû mettre Ré avant de faire Flavorcham, là? Parce qu'en fait, là, je prends un peu de retard, je pense. Ça, je m'en fous. Très sincèrement. Très sincèrement, je m'en fous. Ça sert à rien d'attendre, tu peux pas m'attaquer, donc ah oui, j'ai mal compté, d'accord. Ah bon, ah oui, ça fait 5 et que moi je suis qu'à 4. Ok. Deux dégâts. Attends,
4, ça fait 16. Au prochain, je mets 2, 4, 5, 6, 7. Je gagne au prochain tour. Normalement. Ouais, donc en fait, j'étais pas obligée d'attaquer. J'ai attaqué pour être sûr. Mais là, ça met que 4. Ouais. Yes! Encore une victoire. Ah là 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 là. Allez, un petit dernier pour la route. Je sais pas quelle heure il est. 21h15. Non, je pense qu'on a le temps. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais. Allez, encore un petit coup. Bien, bien, bien. Tout se passe bien. Du bleu gris. Alors. Oh là là, mais. Dites-moi. Toc, toc. Bon, j'ai pas besoin de 50 non plus. Toi, j'en ai pas besoin non plus, je pense. Yep. Oh bah, quand je veux pas, il revient. Ok. Fracassé. Non, j'ai pas voulu faire ça. Ah, rendez-moi mon Flynn. Rendez-le-moi. C'est pas grave. Rendez-moi mon Flynn. Voilà. Contre du gris, je sais pas trop ce que ça donne ce deck, je vous avoue. J'ai un peu peur. Parce qu'il y a des tuons la bête, etc. Toi, tu vas dégager. Très clairement, tu ne me sers à rien. Tac. Troisième tour, je pense que j'essaierai de jouer le chat. Quatrième tour, j'essaierai de jouer Pongo. Un petit fracassé, évidemment. Ça ne fait pas du bien. C'est pas grave. Hop là. Petit chat. Tac. Un peu de retard, mais c'est pas grave. Quand on va débarquer avec nos raies insaisissables, il va faire moins sur Mariole. Ah ouais, d'accord, t'attaques pas mon petit Flynn. Pourquoi pas. Du coup, mon petit Flynn, il dégage. Hop là. J'ai quand même du retard là. Comment ça se fait que j'ai autant de retard? Je comprends pas. C'est pas grave. Mais 4, moi je mets que 3. Pas trop ce que ça va donner. Oh non, Méré. Non, ça dégoûte. Oh là 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 là. Ça m'arrange pas du tout ça. Bon, Flynn, écoute, je t'aime bien, mais. Comment dire? Donc en 5, qu'est-ce que je peux acheter à 5? Je peux acheter. Non, ça c'est à 6. 5. Toi t'as combien de vie? 2, 3. 2. Toi tu mets combien? Tu mets 1. C'est nul. Tac. Tac.
Et ensuite, de toute façon, écoutez, une carte c'est une carte, voilà. À un moment, de toute façon, il va y avoir un tuons la bête, on le sait tous, donc c'est pas grave. On sait qu'on n'y échappera pas. Voilà. C'est pas grave. Mon Pongo est là. Alors. C'est qui l'aura deux ici? C'est toi, hein? Donc toi, déjà, tu vas dégager. Évidemment. Hop! Voilà, merci. Là, lui il fait 2 et lui il fait 2. Donc là, il va falloir qu'il fasse un tuons la bête, mais je pense qu'il va en avoir un pour me défausser un peu tout le monde. Là, logiquement, il y a un swag. Voilà, tuons la bête, ça. Voilà, il n'y a que lui qui survit. Pas grave. Donc là, elle va mettre 17. Moi, je vais mettre 17 aussi. Sauf que lui, après, il va faire 21. Eh ben, c'est bien dommage. Ouais, c'est perdu. Oh, ça dégoûte. Pas grave. Je peux rien faire. Bon bah écoutez, 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites. Franchement, ça va. Mais pas à peine de faire ça, tu as gagné déjà. Si tu es trop long, moi je concède, hein. Bon. Franchement, les deux fois où on a perdu, on finissait à 18. Donc, ok, c'est des défaites, mais c'était pas des défaites écrasantes. Allez, encore un petit coup. Après, je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir. Oh, j'ai encore du bleu-gris en face. Je sais pas si c'est le même joueur ou pas, mais... Bon, comment on fait face au bleu gris? Franchement, je sais pas trop. Si j'avais pu garder mes raies comme tout à l'heure, j'étais pas trop mal, je pense. Mais... Bon, allez, Flynn. Flynn ou Ney? Attendez, est-ce qu'elle est alternant? Elle est pas... Mon petit Flynn, on y va. Mais c'est pas possible, le génie il vient tout le temps, c'est fou. Qu'est-ce que j'aime du coup? Tant pis. Ça
Le génie, il veut toujours jouer, c'est fou. Hein. Bah, c'est comme dans mon deck violet, Ursula, qui est toujours là. Dès le départ, Ursula était là dès le départ, chaque fois. Bah là, dans ce deck-là, c'est le génie. Il est toujours là. Oh là 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 là, je peux pas défausser. Bon, bah tant pis. Ah, ça m'embête. Mais je préfère garder mes petits... tirer. Ils sont quand même bien cool. Évidemment. Je viens de faire quoi là? Je viens de faire quoi? Rien du tout. J'avais pas une mini à jouer? Non. Ok, je sais plus. Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je peux pas voir ce que j'ai jeté. Que je joue les deux. Et, oh, je veux. Écoute, il a fait son boulot, le petit Flynn là. Très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. T'as plus personne. Récupère-le en main. Il n'y a pas de problème. Débarrasse-toi de tes fracassés. Il n'y a pas de problème aussi. Ça me va très bien. Oh non! Non, non, non. Oh non. Je peux en jouer qu'un du coup. Je les ai économisés exprès. C'est pas cool. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes. Faudrait que je compte combien on a de cartes qu'on peut pas ancrer dans ce deck. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a 4, 6, 10, 14. Ah, il y en a que 14. J'ai l'impression que je tombe toujours dessus. C'est pas moi? Non. Ok. Allez, chou. Gentil de faire ça. Sept. Heureusement que voilà quoi. Et bien sûr, tu vas renvoyer ça dans ta main. Hein. Tac. Et après, tu vas voilà la remettre et moi je vais te la réenlever. Et après, je vais encore te la réenlever. Et ouais. Ça va mal se finir pour toi. Ou pour moi, je ne sais pas. Oh non. Ok. Et après, ça va faire un petit... petit tuon la bête, quoi. Voilà. C'est pas très gentil d'avoir fait ça. Il y a eu combien de tuons la bête là? Parce que... un, deux... Non, il y en a eu qu'un. Waouh. Non, il y a eu deux perdus dans l'hiver. Ok. Eh ben, écoutez, tant pis, on va faire ça. Bah non, il n'y a rien à faire. On a un petit... feu du dragon. On a un petit... n'écoute que moi, donc... voilà.
Oh, ça va être un feu du dragon, ça. Oui. Une carte qui coûte 7, c'est un bon feu du dragon. T'inquiète pas. Attends. Tac! Bam! Ça, c'est cadeau. Est-ce que j'ai des cartes qui valent plus que 6? Je pense pas. Ah, je peux pas. Ok. Pas grave. Donc 2, 4, 6. Oh, tu vas la renvoyer dans ta main. Qu'est-ce que tu en penses? Il doit me détester en face. Mais écoutez, je pense que c'est encore une victoire. Il le remet. Merci. Hop. Et c'est encore une victoire. Bon, on enchaîne, allez. Tant qu'on peut. Tant qu'on réussit, on y va. Ça fait plaisir. On doit être à 4 victoires, 2 défaites, je pense. Oula! Là, ça me fait un peu plus peur. Mais allons-y. Il faut avoir peur de rien dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Ça non. Ça non, ça non. Que de 1 limite. Okay. Oh là là, oh là 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 là. On n'a rien à jouer au début, quoi. En plus, ça joue Bucky. Ça joue Bucky. Il y en a certains qui verront jamais le jour. Je vous le dis tout de suite. Hein, Cusco. Tu ne. Et même Ray, je pense que tu n'iras peut-être pas jusqu'au bout du jeu. Je suis pas mal inquiète. On va essayer au maximum de jouer nos mini. Au moins. Je donne pas cher de Cusco et de fût de dragon. Toi, tu dégages. Tu sers absolument à rien. J'aimerais aller jusqu'à Ré au moins. J'aimerais aller jusqu'à Ré au moins, mais. Je sais pas. Je sais pas ce qui va être possible ou pas. Ça défausse les cartes pour défausser. Ok. Bon, 300, ça va. Il a un point d'avance pour l'instant, mais c'est pas grave. Ok. Bah ça m'intéresse pas des masses. Et comment je fais moi maintenant? Retarde bidule là. Ça retarde bidule, mais j'ai envie de le garder, donc voici. Ok. Ça va commencer. Ça va commencer à piquer après. Cool. Fais 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque tour.
Simba il va dégager, je pense. Oh là 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 là, je peux pas aller jouer. Attends, d'abord on va faire ça. Ah, ça tue pas, d'accord. Bon bah j'aurais pas dû faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ouais, je vais encore prendre un point de retard. Je le sens pas trop. J'arrive pas à avancer au niveau du lore, donc enfin de l'encre, pardon. Ça, ça avance en face, mais moi, moi, j'avance pas. Beaucoup de retard, j'aurais dû sacrifier mon ré, mais en même temps je peux pas y faire grand chose en soi. Ah ok, ça c'est bon, mais je peux toujours jouer personne. Et lui va en profiter, c'est sûr qu'il va jouer, donc il va mettre 4 encore. Ça fait 16. Et au prochain tour, il gagne. Donc, là, je pense que je peux faire concede. Ouais. Bon, voilà. Là, c'est concede. Là, c'est concede. On va juste essayer d'avoir une carte pour faire le feu du dragon. Pour se faire plaisir. Mais sinon, là, très clairement... Prochain tour, ouais. Et voilà quoi. On n'aura pas des feux du dragon à chaque tour, donc c'est un peu... C'est un peu foutu. Voilà. On sait qu'on a perdu, mais c'est juste sur le principe. On dit bah... On a fait ce qu'on a pu. 14. Donc je pense qu'on tombe à 3-3 ou 3-4. Je sais plus si j'ai fait 6 ou 7 parties. Ah. Bon allez, on en fait encore une et après on s'arrête. Je dis ça à chaque fois. Mais... Ah, je crois qu'on n'a jamais testé contre rouge, jaune. On va voir. Non, non, non. Et non. On va quand même la garder elle parce que voilà. Et non. Oui. Ok. 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 Ça va. C'est pas catastrophique. Toi, je t'ai toujours dit que je voulais pas de toi. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. J'ai failli oublier de cliquer. Bon, j'ai eu de la chance. Ok, un 1. Ok. Non, toi, tu m'intéresses pas pour l'instant. Thank you.
4. En fait, on aurait peut-être dû sacrifier ça au lieu de sacrifier tout à l'heure un Maui. Mais c'est pas grave. Aladdin, ça me vole un truc. Ok, c'est pas grave. Tu leur un ou deux, toi ? Un. Ok. Ok. Super. Du coup, je vais d'abord jouer toi. Et toi, tu vas rendre insaisissable lui. Mais c'est jusqu'à la fin du tour, donc en fait, on s'en fout. Tac. Au prochain tour, on joue le petit Pongo, sauf si j'ai quelque chose de mieux. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, va falloir attaquer mes potes. Hein. Là, vous, va falloir attaquer là, sinon. Ah non, d'accord. Ah bah, si ça abandonne ici. Moi, je n'y suis pour rien. Tac. Tac. Hop. Bon bah, c'était vite, efficace. Ces trois-là, ils sont pas touchables. Hein. 2, 4, 6. On est loin du 7 pour soyez prêts. Ok, un petit feu de dragon, c'est pas grave, y'a pas de problème. Ok, ça tue avec lui, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Tu tues presque tout le monde pour faire ça, il y a pas de problème. Écoutez, on va faire ça. Et puis on va faire ça. Et puis, est-ce qu'on renvoie quelqu'un dans la main? Bah non. Hop. Voilà, tu fais quoi maintenant? Personne ne peut être touché à moins d'avoir un autre feu du dragon, mais a priori non. La partie est terminée. Merci à moi. Hop là, et c'est terminé. Voilà, ok. Oh, allez, on continue encore un peu. Et quelle heure? Bon, j'ai encore une partie. Encore une partie. Je crois que je dis ça. Je m'arrête pas. Je fais ou pas? Non, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter sur une victoire. Une victoire efficace. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné envie de jouer à l'Arcana. Là, aujourd'hui, je vous ai montré un deck plutôt... basique en fait, enfin il n'y a pas de très très grosses cartes, etc. Comme quoi, même des decks un peu plus originaux peuvent avoir de bons résultats. Donc, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur la chaîne. Bye bye.